Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi est-ce que j'ai attaqué cette Josée Priscille que j'aimais tant et que j'aimais bien. Parce que je l'ai toujours respectée. Voilà. Lorsque moi j'ai vu Josée la première fois dans ma vie, je vous explique pour que vous compreniez que quand moi j'attaque quelqu'un, c'est que la personne m'a fait quelque chose de grave. C'est que la personne m'a fait quelque chose de grave. Parce que moi, c'est vrai que j'ai grandi dans la rue, mais j'ai pas été élevé dans la rue. Voilà. Mes parents m'ont mis à l'école, ils m'ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Après moi, ça m'arrangeait pas. Moi, j'ai décidé de partir. J'ai décidé d'aller à l'aventure. Voilà. Mon papa m'a frappé un jour jusqu'à... Puis bon, j'ai dit, bon, j'en ai marre. Puis bon, j'ai sauté dans la lagune, dans l'eau. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans la rue. Donc, j'ai reçu l'éducation de la rue. Voilà. José s'est foutu de ma gueule. Et le monde entier doit savoir pourquoi est-ce que je l'ai attaqué. Aujourd'hui, c'est son jour. Là, comme ça, vous-même, vous allez réfléchir. Et puis, vous allez vous poser des questions. Vous allez voir maintenant qui a raison ou qui n'a pas raison. Voilà. J'ai connu José, je crois, en 2012. Elle était en train de marcher. Elle n'était même pas encore connue. Elle marchait dans la rue, je passais avec ma voiture. Et c'est comme ça, il a vu la fille, elle est en train de marcher. Il a vu le crâne, moi je suis tombé fin. Donc c'est dans ça que maintenant, moi j'ai pris le numéro de la petite. Et puis il a commencé maintenant, on a commencé à se parler, s'envoyer des messages, tout ça. Depuis 2012, hein. Voilà, moi c'est un garçon, je suis pas un PD. Je ne peux pas prendre le numéro de femme, ce n'est pas pour la tarte. Mais ce n'est pas pour essayer de me poser au calme. Elle m'a dit ouvertement, non, elle a son gars. Son gars là, comment il s'appelle là même? Un gars là, un acteur qui est sorti là, il y a des demi-acteurs maintenant, bon, je connais pas trop son nom. Mais quand il m'a dit, elle a son gars, demandez-lui. Hein. J'ai dit, ok, Afoui, je respecte le fait que tu es ton gars, et puis bon, moi je suis là, j'attends, il te regarde. Si un jour tu es marié, c'est ça, si tu n'es pas marié. Parce que moi, j'étais prêt même à la marier. Hein. Oui, moi, j'étais prêt à la marier, elle sait, il lui a dit. Parce que j'étais vraiment fan d'elle. Bon, je ne le cache pas, je suis un garçon, je ne suis pas un PD. Voilà, donc il était vraiment fan d'elle. Donc dans ça, comme elle était dans sa relation, moi, elle l'a laissé dans sa relation avec son gars. Jusqu'à il y a eu bafou entre les deux, et puis se sont séparés. Qu'elles sont séparées, moi, elle reposait ma candidature. Elle, on a commencé à se voir, tranquille, les petits loves en cachette, tranquille, jusqu'à bouah. Voilà un jour maintenant que ouais, il voit dans son lalé, c'est le Dieu qui l'appelle. Joueur là. Il dit, mais aïe. Toi, tu m'as pas dit que ouais, tu n'es plus avec ton gars, tout. C'est le Dieu, lui, là, c'est un footballeur. Il t'appelle pourquoi? Elle me dit, ouais, non, c'est son parrain. Son parrain, ok, a foué. Bon, dans Dibidibi, dans les petits loves, hein, elle sait. Elle m'a dit quoi? Ouais, non, vraiment, si tu tiens à moi, j'ai besoin d'une voiture, il faut m'acheter une Range Rover. Ah, Vélissé. On se gère depuis combien de temps? On doit apprendre à se connaître d'abord quand même, non? On doit apprendre à se connaître. C'est pas petit mouvement de non. 3 semaines, on s'est vu, on a commencé à s'amouracher un peu. Il y a qu'à payer Range Rover pour toi. Ah, championne. Donc, il a refusé de payer la Range Rover. C'est un mouvement, pac, boah, c'est Rédi est venu à cet égo-là. Hein? Donc, il lui a dit maintenant, mais toi, tu es une maudite, au fait. Donc, c'est Rédi, c'était ton parrain, c'était ton poisseur, bataillard même, c'est que l'enceinteur. Donc, vous voyez maintenant qu'elle m'a rabaissé pour se Rédi. Elle m'a laissé parce qu'il a dit non, il n'achète pas voiture pour elle, que c'est trop tôt. Elle a voulu voyager, mon esprit, maman, elle voyageait, elle pour elle déjà. C'est pas mon âme qui a payé ça, c'est le footballeur qui a payé ça. Elle bébé à la pluie, elle jeta mon corps pour mettre dedans. Donc, il y a que, comme tu as mis foutait sur Daichi, il a démontré ça. Là, il lui a dit bonjour dans. Il y a une chanteuse là. Elle fait ça, d'accord. Vous connaissez le reste du morceau. Voilà. Donc, vous-même, vous dites quoi? Et puis, ça, c'est parce qu'il ne rentre pas trop dans les détails. J'ai dit, il ne faut pas parler. Elle a fait son nouveau son, qui est très intéressant, que j'aime bien. Mais quand elle parle la parabole là, moi, je suis concerné. Maintenant, j'attends encore si elle a quai. Si elle dit qu'elle est trop Josée, qu'elle est arrivée. Si quoi elle compte. Elle n'a qu'à me répondre après ce direct là. Elle n'a qu'à répondre. Mais elle n'a qu'à faire une vidéo pour parler. Que non, quoi. Tous les derniers papos. Le pourquoi est-ce qu'elle en parle avec Emma Loès. Le quoi. Le qu'est-ce qui s'est passé. Le comment ça s'est déroulé. Il est tout maître pas.
Mais ça va bouesta caca. Ok, c'est là pour vous informer sur ça. Moi, j'attaque pas si on m'a pas fait quelque chose de mal ou si on m'a pas attaqué. Pour l'instant, il m'arrête là, mais sachez que ça boue. Oui.